Transformer des bureaux en logements, c'est une bonne idée, en particulier en Île-de-France, où cela répond à un triple besoin. Trouver un usage pour de plus en plus de surfaces de bureaux qui sont inutilisées, en particulier depuis le développement du télétravail. Construire les logements dont les Franciliens ont besoin, alors que la crise dans ce domaine ne fait que commencer. Et puis réduire l'artificialisation des sols, c'est un des grands objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France qui est en train d'être adopté. Alors, on a déjà commencé. L'Institut estime que depuis 10 ans, ce sont environ 1900 nouveaux logements qui ont été produits de cette manière en reconvertissant des bureaux, mais aussi d'autres types de bâtiments, comme des hôtels ou des bâtiments publics. C'est encore faible, c'est déjà significatif, c'est encore très concentré à Paris et dans la Petite Couronne pour les deux tiers d'entre eux. Nous avons identifié de multiples freins, des freins réglementaires, même s'ils ont commencé à être levés par la loi Elan en 2018, des freins financiers liés au coût des opérations directement, liés aussi au coût pour les collectivités, perte de recettes que cela peut entraîner, et aux investissements nécessaires pour offrir les équipements et les services à ces nouveaux habitants. Il faut donc aller plus loin pour faciliter ces opérations. Mais il faut surtout les aborder de façon plus globale. On a besoin de logements là où c'est pertinent, dans les zones notamment qui sont bien reliées par les transports en commun. On a aussi besoin de surfaces pour les activités productives qui trop souvent sont repoussées aux marges de la métropole. On a besoin aussi de locaux pour de la logistique de proximité qui est aujourd'hui absolument essentielle au fonctionnement de nos villes. Autre question essentielle, la question des normes, qui sont aujourd'hui très différentes en fonction des usages. C'est ce qui nous permettra de répondre plus facilement à nos besoins actuels, mais aussi de changer notre manière de construire pour arriver à des bâtiments réversibles qui puissent s'adapter à nos besoins futurs.